Salut, donc une question d'Eric ou une suite plutôt d'une question. La semaine dernière, il avait demandé est-ce que tu pourrais pardonner donc à celui qui a tué ton ami avant? Et là, il me pose cette question. Et si celui qui avait tué ton ami venait un jour te rendre visite, tu lui servirais un bon repas? Donc, pour répondre, j'en reviendrai sur le principe du pardon que j'avais évoqué la semaine dernière. Le pardon, ça veut dire qu'on pardonne. Pardonner complètement, ça veut dire qu'une personne, elle n'est plus notre ennemi. On oublie ce qu'elle était et on accepte ce qu'elle est aujourd'hui. Et automatiquement, si une personne s'est repentie, si une personne a changé, on doit accepter qu'elle puisse avoir fait des erreurs. Et également, j'ai expliqué que dans une vie de gang, c'est comme une guerre, il y a des pertes. Ça fait partie d'une vie de gang. Donc automatiquement, quand tu sors de ce genre de vie, tu sors de ce contexte de voir des ennemis, des ennemis, surtout dans la spiritualité, et tu peux comprendre que tu étais dans une sorte d'ignorance. Hein, parce que quand tu t'éveilles, que tu entres en toi-même et que tu vois finalement que tu es différent de ce que tu pensais être, et que tu trouves en toi l'amour et l'harmonie avec les êtres, naturellement, tu comprends que tu as fait des erreurs, tu demandes pardon, et tu aussi, tu acceptes le pardon des autres. Donc pardonner, ça veut dire changer complètement de vision, voir à travers nous-mêmes cette réalité, la réalité chez les autres. Donc bien sûr que j'accueillerai cette personne. Sans ça, il n'est pas question de pardon et d'évolution. C'est simplement qu'on reste bloqué sur des choses du passé. Or, si on reste bloqué quelque part, on empêche l'amour de croître en nous. Et ce n'est pas une bonne chose. Je me rappelle un jour avoir vu une émission où des parents chrétiens avaient pardonné l'assassin de leur fils. Et la personne leur disait, mais comment vous pouvez faire ça? Mais si je ne pardonne pas, j'aurai la haine en moi. J'aurais pas l'amour, et ben c'est un principe. On doit pardonner pour que l'amour puisse croître en nous. On n'a pas le choix. C'est un principe spirituel. Après, Fabien et Gérard, pourquoi tu parles souvent du passé? J'ai déjà expliqué dans des vidéos que on ne peut pas établir un changement sans expliquer une expérience. Par exemple, j'ai été extrêmement violent et haineux dans le passé, et ceux qui m'ont connu le savent. Mais il faut que j'établisse cette haine pour faire voir qu'à travers un processus, on peut développer l'amour et chasser la haine. Sans ça, c'est pas possible. C'est quelque chose de scientifique. Tu vas pas demander, par exemple, à quelqu'un qui a jamais fumer de drogue, quoi. Si toi t'as pas fumé de drogue, tu vas pas dire à quelqu'un d'arrêter que c'est pas bon. Il faut toi-même avoir goûté. Sans ça, si tu parles de quelque chose que t'as pas expérimenté, ça n'a pas de sens. Donc je suis obligé d'établir que j'ai été violent pour aider ceux qui ont été violents à sortir de cette violence. C'est logique. C'est pas que je parle pour m'établir comme le super machin, je m'en fous. Voilà, je suis plus là-dedans. Ceux qui me connaissent aujourd'hui, ils savent que j'ai véritablement changé. Voilà. Mais bon, je dois en parler, c'est normal. Par exemple, quand je vais en prison et je parle à des gens qui ont tué des personnes, etc., voilà, je leur parle de mon expérience, et ben, ils apprécient, c'est un espoir. Voilà, ce gars-là, il s'en est sorti. Voilà, je ne vais pas rester comme ça toute ma vie. Je peux devenir quelqu'un d'autre. Mais si. Je leur parle pas comme ça, c'est pas possible. Je vais raconter une petite histoire. Quand j'étais au Québec il y a 2 ans, j'étais dans un centre de réinsertion. Alors c'est des gars qui avaient pris 30 ans, 25 ans pour meurtre, etc. Du lourd. Hein. Et puis j'avais été invité un mercredi. Et le mercredi, c'était leur jour de leur sortie. Donc je ne le savais pas, je devais faire un atelier de 3 heures. Et puis j'arrive à ce centre-là. Et on me dit, vous pouvez plus parler que 45 minutes, 1 heure maximum. Et donc, déjà, c'était super lourd. Ils me regardaient, tu vois, ils avaient la haine que je sois là. Et je ne savais pas pourquoi. Moi, je n'étais pas au courant. Toi. À cause de moi, ils n'avaient pas leur jour de sortie. Toi. Et donc, j'ai parlé très humblement. Je lui dis, voilà,
Moi, je ne suis pas une personne qui vient vous faire la morale, etc. Toi. Mais voilà, j'ai appris à travers cette vie comment voilà, sortir de la haine, aller vers l'amour. Et petit à petit, donc, j'ai de plus en plus envoyé un message fort, quoi. Et puis, à la seconde près, je me suis arrêté. Je dis maintenant, voilà, j'ai fini. Et puis, tu avais un gars super balèze qui était comme du fer, vraiment, toi. C'était le chef, quoi, le plus fort, quoi, toi. Et il dit, écoute, j'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit, etc. Et moi-même, à 16 ans, j'ai tué quelqu'un. Et voilà, je suis en tôle depuis 30 ans. Là, en ce moment, je suis en train de sortir, etc. Donc, il m'explique toute sa vie, etc., le parallèle avec ma vie. Et qu'il me considère vraiment comme un frère, quoi, comme quelqu'un qui est comme lui, finalement. Toi, aussi dur que lui. Et il me dit, écoute, maintenant, si tu veux, tu peux parler plus. Et là, j'ai vu que que tous ces êtres-là qui étaient au début haineux de m'entendre, ils m'appréciaient super bien. Et après, c'est comme si on avait fait la fête ensemble, quoi. Ils m'ont fait visiter leur logement, leur ceci, leur cela. Ils étaient super contents. Il y avait des anciens membres de gang, de MC, etc. Quoi, voilà. Donc, voilà. Le point, c'est qu'en parlant de son expérience, on fait des ponts. Et à travers le pont, on peut toucher le cœur des gens. Et quand on touche le cœur des gens changent. C'est pas compliqué. Merci beaucoup.